soir, c'est un cœur sur Vision 2000, Vision Super, avec Guillaume. Radio! Papa, regardez, Vision Second Pas, chaque jour, 7h-8h, Vision 2000, Radio! Gazman Goul, dis oui, Mbab Digi. À Vision sous compas, on vous offre pas grand chose par rapport à ce qu'on vous offre ailleurs. Mais l'essentiel sur le compas national. Tous les soirs, 7h-8h avec Guillaume. Tous les soirs, 7h-8h sur Vision 2000, Vision sous compas avec Guillaume. Don't you la, baggy challenge. Dans 2 minutes, il est 7h15 minutes ici à Port-au-Prince. Bonsoir à tous, bienvenue à cette édition de cette émission Vision sous compas. Comme tous les soirs, on a rendez-vous avec vous. Et bon, c'est quand même important et c'est défini. Tous les soirs, vous avez rendez-vous avec cette équipe Vision sous compas, Belgien Sulman et Gary et Guy Webern. Et l'équipe qui est un petit peu agrandie. Donc, un nouveau membre de l'équipe de Vision sous compas, c'est celui qui nous capte en images. Et puisque l'émission va être disponible sur notre channel YouTube, Guiwewe Radio on YouTube. Également, nous sommes sur SoundCloud, on Radio. Nous sommes aussi sur Facebook, Twitter. Donc, tous les réseaux sociaux sont disponibles, connectés pour vous, puisque vous ne devez rien rater de cette émission. Vous, on met à votre disposition toutes les coulisses de cette émission. En tout cas, Vision sous compas, c'est mercredi soir ici à Port-au-Prince. Donc à soir, nous pourrons quand même continuer à faire petit bas de bouche là sur question musique haïtienne. Fort danser, fort tendel pour quand même rester connecté, branché. L'étape importante à soir pour nous faire un petit coup d'œil sur l'été. Comment ça annoncer pour les jours à venir. Donc nous sommes au début du mois de juin. Donc l'été c'est dans quelques jours, mais les festivités autour de l'été c'est au beau milieu du mois de juillet. Donc on est aux alentours des 60 ans du combat national. Et puis, en plein cœur de cette période, on a l'habitude de voir venir les formations musicales en tournée. Donc. Et nous sommes dans un contexte particulier, puisque nous sommes en train de préparer les élections. Donc, on annonce les élections pour le 9 août. En quoi ça va déranger ou arranger la tournée de nos différentes formations musicales dans le pays? Puisque généralement, quand il y a élection en Haïti, ça préoccupe toute l'actualité. Donc, est-ce que nos groupes vont pouvoir venir en tournée ici en Haïti correctement? Est-ce qu'ils vont pouvoir venir avant ou après? Le choix, c'est quoi? Avant ou après le 9 août, la date retenue pour le premier tour des élections? Ça, ce sera cette émission ce soir sur Radio Vision 2000. Et c'est Vision sous compas qui vous accompagne jusque chez vous à travers ces différentes fréquences. Tous les soirs, 7h-8h sur Vision 2000, Vision sous compas avec j'accueille Philippe Senoui sur son projet ici avec Kelly Demangle. La chanson originale de Accolade de New York, ça c'est Amour. L'album Compalogique. Ça c'est pour une amie qui m'a écrit sur Messenger pour me demander une chanson. Donc j'ai choisi ça pour toi. Toi. Chaque fois, moi, regardez ça. Chaque fois, je pas ça qu'il me ou qui ça quoi même souffrir qu'on fait un bel sujet. Tant pis si t'es fermé en petit pitié ou pas souffrir. Mais ma dame si vous levez autant me lever. Nous sommes sur l'album de System Man, ça c'est James 12. Le dernier disque de System Man, je rappelle que System Man a un nouveau disque sur le marché, donc Da Ben Cherise, Nardoubi, James 12, trois chanteurs pour
bien exécuté cet album disponible dans les bacs et vous n'allez qu'à l'acheter à l'instant même sur iTunes ou chez votre disqueur. Vision sous compas, émission. Le nouveau disque de System Man, la guitare de Reginald ici, donc le groupe qui est de retour sur le marché avec ses anciens membres, certains de ses anciens membres, Aaron Vincent à la basse, Reginald à la guitare, donc c'est toute l'équipe. Reginald oublie toujours Maestro avec Maestro chanteur avec Da Benz, Sherry James 12 et puis deux chansons sur cet album qui marche assez bien. Il y a la pièce Ou pas peur, Nous pas peur, vidéoclippé et puis Mettre la coupe, donc exécuté par Reginald Dubé avec un excellent élan vocal. C'est quand même intéressant pour System Bend. Donc l'album c'est Nous pas peur. Donc si vous souhaitez l'avoir, donc allez à l'instant même sur YouTube pour vous procurer ce disque Nous pas peur. Le dernier disque du System Bend de Machiavel. Caramel, bienvenue sur Vision 2000. Vous écoutez Kama Bat. Baby, baby, get my body. Je suis sur l'album de Nouvelle. Ma toutou. Gibbonson et. Pas d'abri répondre téléphone. Qui j'en ouye. Sender Solon. Que ma batte. Moi, gon nouvelle, moi, vine, poté tout. Ça, c'est beau, ok? Ça, c'est beau, ok? La Dioa. Ou de mettre fâché, de mettre approché. Qu'on aime son aide marié. Où son femme mariée? Moi, prêle, dis-le. Ça fait si on dit t'es prêt. Ma frère dit c'est. Ça fait. Ça fait si on dit t'es prêt. Chante. Est-ce que femme sacrifier tout. Yo mette calim, ça fait. Yo mette batte moi. Compa, ouais, ouais, ouais. Sous baby. On va bon Dieu, la va juger. À tout un très bon disque de Nouvelle, la voix de Sanders Solon et puis Gibbonson sur ce disque de Nouvelle qui est ma batte. L'émission c'est Vision sous compas, la radio visionnaire. Le groupe aura visité plusieurs Antilles françaises. Before and after. La voix de Tidjo Zeni et de Michael Cartwright. Pour faire une tente propre. Allo Asseline. Akabala number one. Y'a des jalousies pour aller dans le groupe là, monsieur. La pièce Before and After sur l'album de Créola. Je rappelle que cette chanson est vidéoclippée, mesdames et messieurs. Donc si vous souhaitez la visionner, vous n'avez qu'à aller à l'instant même sur YouTube. Vous tapez Before and After de Créola. Vous verrez la vidéo de cette chanson disponible. Créola qui se trouve pour le moment en Guadeloupe pour continuer la promotion de son album. Ça, c'est pour les Antilles françaises. Le groupe qui doit visiter toutes les Antilles françaises d'ici cette semaine. Et puis, le groupe qui sera à ce festival à Paris. Le 14 juin, donc là qui revient au pays, le 16 juin, une tournée européenne et antillaise pour
créole là avec ce nouveau disque dont la vente signature s'est réalisée au Ritz-Kinam. Environ 700 personnes ont pris part à cette activité au Ritz-Kinam. Intéressant, très beau jeu de lumière, très beau décor pour Fieldel Next Lighting. Très bonne prestation aussi de la formation musicale créole là. Néanmoins, à mentionner qu'il y a des petites faiblesses au niveau de l'interprétation des chansons neuves sur l'album. Donc c'est normal puisque c'est à peine disponible. Il n'y a pas vraiment de répétition pour ces chansons. Mais quand ils exécutent les anciennes chansons sur les anciens disques, il est clair que la maturité est là et l'équipe retrouve déjà son jeu d'ensemble. En tout cas, on verra ce que ça va donner pour la formation musicale créole dans les jours à venir, surtout sur Haïti où la situation ne s'annonce pas trop bien. Ça ne peut pas aller ainsi, créole là. Radio Vision 2000, c'est Radio Parola même. Qu'est-ce que je dois poster pour vous comme photo pour vous inciter à aller sur Instagram? Je vais poster la photo du caméraman. Donc, ma poste en photo côté maquillé avant de faire l'émission. Donc, c'est vrai que je fais la radio, mais je suis obligé de maquiller pour faire l'émission. Je vais regarder si je suis beau là. Est-ce que je suis beau là? Laisse-moi regarder un petit peu. Est-ce que je suis beau? Non. On va mettre une photo salon, on va mettre une photo sur Instagram pour nous rapidement. En direct, sur radio. Chap. On va mettre une petite lumière là, on va me virer la main. Ok, c'est beau. Et puis, on a tout un caméraman qui a filmé derrière. Yeah! Je vais poster ça à l'instant même sur Instagram. Donc, si vous souhaitez regarder ça de manière instantanée, ou bien, mon petit premier j'aime, il y a un cadeau. Hein? Premier j'aime pour photo ça ou pas j'aime qu'on ait un cadeau ou bien ma follow li back. Mais c'est un cadeau quand même, hein, c'est pas vrai? Ok, moun ki premier j'aime photo à ma follow li back, bon mettre photo sur Instagram qu'on y a pour moun yo. Et ça m'a fait là, m'a mettre photo sur Instagram pour nous ka wè photo émission avec caméraman qui a filmé émission désormais Vision sur Compa qui sur YouTube. Donc nous pourrons regarder l'émission ça. J'aime d'affaire photo, si vous voulez, j'aime d'affaire photo. Au besoin de qui style d'affaire. Allez abonner à notre page YouTube Guiwewe. Vous tapez Guiwewe sur YouTube et vous verrez notre chaîne. Vous vous abonnez à notre chaîne pour regarder nos vidéos postées. Donc je vais poster la vidéo maintenant sur Instagram. Et puis premier monde qui like ou qui follow moi, m'a follow les bacs. Donc notre compte Instagram c'est Guiwewe Radio. En pleine émission. Ok. On a annoncé quoi comme réflexion à cette émission? Nous te voulons parler à soi de contexte actuel là. Nous, dans le mois de juin. Donc, qui vient l'annoncer? Donc, qui ça nous a inspiré de contexte actuel là? Parce que ça ne s'annonce pas trop bien. Donc, la conjoncture politique n'augure pas vraiment grand chose pour le secteur musical, puisque quand il y a l'inquiétude, pas gagner l'argent, ou gagner l'impression que ces candidats qui votent comme nommé Mounio sous prétexte que les finiré élu, il y a pris mettre l'argent, yo. Sponsor pas gagner cob. Gon problème de circulation de monnaie dans le pays, ça qui vient, gon répercussion automatique sur le gourde et la valeur aussi du dollar américain. Donc qui prend valeur et puis gourde là qui diminue sous valeur. Donc ça a vraiment gon répercussion sous marché. Ya. Donc nous-mêmes qui dans le secteur musical là, donc il est pas facile, il est pas bon pour nous. Gagner ce secteur ça il tend pour réglon actif. Donc c'est bien malheureux que tout est conditionné par la politique ici en Haïti. Faites comparer, c'est pour le week-end du 25, 26, 27 juillet. Donc zigzag zaga l'eau gagner bien la préparer. Moi j'ai une petite communication avec Glenn Jérôme. On a dit ça déjà ici en émission ça côté que vous voulez faire un forum pour inviter tout animateur à travers le pays. Tout c'est des projets qui en cours. Zagalo tout, il y a un festival qui est organisé. Et nous-mêmes, nous conseillons des émissions spéciales que nous voulons organiser dans tout le pays. Encore une fois, on a réitéré volonté pour nous organiser. Donc, week-end, nous visons à l'Okaï pour nous regarder qui gens nous gagnent plus d'informations sur le fonctionnement qu'on va dire là au niveau de la ville de Kaï, qui gens ont grandi, qui gens ont pris naissance, qui gens ont évolué. Et peut-être nous allons faire dans d'autres villes du province d'Haïti. Donc, on ira au Gonaïve, on ira à Jacmel, on ira aussi à Port-de-Paix, au Cap-Haïtien pour savoir comment le compas a grandi dans ces villes de province. Donc jusqu'à présent, manque de moyens pour qu'on confirme au Kava, même si nous venons partir.
Donc, question de location de voiture, là, les antigens et Chita. Mais question hébergement, hein, pour clair, donc, dans la ville de Kaye. Donc, dans la ville de Kaye. Donc, et, Maron, si Valérie de Kaye, je nous n'ai pas réalisé, mais le conseil électoral, là, voulait avancer. Et l'État haïtien promet que il y a pas fait tout ça reconnaît pour venir l'argent pour élection en fait. Donc depuis l'élection pour le fait gon réticence dans la question activité. Dans cas ça, si l'élection en Québec vraiment pour le 9 août, qui sa formation musicale t'as supposé faire? Est-ce que qu'a toujours programmé pour rentrer après les élections ou avant les élections? Moi même ça me penser. Je pense que avant les élections c'est meilleur moyen pour formation musicale rentrer dans le pays. Et si effectivement l'élection est confirmée, donc pour le 9, donc généralement après les élections, donc pour quelqu'un qui parle en pile sur question élection, mon mal attendre résultat. Donc il y a trop tête chaud, trop parle en pile dans la question ça, parce que avant, la plus facile. Avant la plus facile dans tout sens, parce que il y a des candidats qui ont profité pour faire campagne dans le balieu. L'activité culturelle qu'a fait, c'est très important. Et il est clair que par une sorte de circulation d'argent aussi dans le pays, puisque quand on n'a pas fait avec parole, on a dit qu'on n'a pas fait avec parole, non, c'est moi qui comprends. C'est moi qui comprends. C'est moi qui parole. Ok, donc quand on n'a pas fait avec comme seulement, les paroles seulement, on n'a pas fait avec comme tout. Donc quelque part, qui on a payé pas que c'est comme demain pour quand même et dépenser dans l'activité qu'on fait parce que c'est important pile pour formation musicale de programmer tourner depuis de mi-temps mois de juillet jusqu'à la première semaine du mois d'août. Ça me paraît c'est important pour formation musicale. Donc il n'y a que d'attendre, on attend pour nous que ça va passer pour compagnie nationale là, mais c'est pas confirmé, ça pas annoncé et grand chose. Depuis l'activité qui gagne là, donc, pour Paris, gagne première édition festival qu'on a fait au niveau de Paris et qu'on part en folie, première édition, donc nous avons plus de possibilités pour nous là, donc d'ici la semaine prochaine. Donc je dis que je parle de possibilités, puisqu'il y a de ces choses qui n'ont pas encore réglées pour qu'on soit présent à ce festival. L'autre bagaille qui gagne, c'est que après le festival Paris, c'est Compagne Vegas. Compagne Vegas, c'est une activité qui est sur la troisième édition, qui a réalisé, qui a mobilisé vraiment, commencé à mobiliser un peu le monde. Donc, Compagne Vegas, c'est en tout côté, il offre hôtel, il offre un package, ok, côté que vous avez accès à un ensemble de balles qu'a fait dans l'espace, hôtel de luxe, piscine, activité qu'a fait. Donc, nous avons toujours à participer dans Compagne Vegas qu'a fait à la fin du mois de juin. Donc c'est du 24 au 29 juin, mesdames et messieurs. Donc vous pouvez participer à cette activité. Donc là, on parle de Compagne in Vegas. Ça va être quand même très intéressant comme activité. Même si Vegas, là, on est sur le côté qui fait chaud en pile. Donc ça fait une activité piscine, balle. Vous payez un seul club ou participer dans toute activité grande dans un hôtel. Son get together bien planifié. Donc a dit pour les questions Compagnie Vegas. Donc après Compagnie Vegas, mesdames et messieurs, ça va être le tour de Montréal pour le festival à Montréal. Donc c'est pour le 16, 17, 18 juillet. Donc après 17, 18 juillet, mesdames et messieurs, c'est le Grand Nord qui va le faire au niveau de Ramada Hotel. Donc la 10e édition, initiative de Hervé Bastien, Babas Production. Donc monsieur qui organise l'activité ça depuis 10 ans dans la diaspora, il s'est dit façon pour honorer des personnalités connues dans quel que soit le domaine venu du Grand Nord. Et quand on parle du Grand Nord, c'est vrai qu'il est du Cap-Haïtien spécifiquement, mais on parle de tout le Grand Nord, l'Artibonite, le Nord-Est, le Nord-Ouest. Donc ça, c'est pour cette activité. Donc, qui on va honorer cette année? Donc, je me pose la question, je n'ai pas encore de détails sur ça, mais la 10e édition est déjà lancée et le lieu retenu pour la réalisation de cette 10e édition, c'est l'Amada Hotel au niveau de Miami. L'année dernière, on était présent à cette activité, on l'a retransmis en direct sur Vision 2000, c'était bien. Et cette année, probablement, on sera là pour la couverture de cette activité, le Grand Nord. Autre chose à vous annoncer pour le mois d'août qui arrive, c'est le Labor Day à New York City. Donc ça, c'est une autre grande activité pour la musique haïtienne.
de possibilité pour qu'on ait un bal entre New Look et disciple de Gazman Couleur à cette occasion à New York. Donc l'année dernière, Richard Urbain avait fait le grand coup en affichant classe et la formation musicale disciple de Pipo et la formation classe de Pipo. Donc cette année, donc monsieur voulait prendre New Look et disciple. Donc on est disciple à New Look pour que j'aime jouer. Donc Richard Urbain a regardé qui j'aime, qui a fait tout ça pour qu'on fait ça. On t'y vient pour mettre un pour la tour sur New York City. Disciple New Look, on a eu une petite conversation téléphonique avec Ali Larivière à cette émission. Oui, il nous a parlé de ça. Il nous a dit qu'il y a vraiment des négociations encore pour que ce bal soit possible. Donc, mais rien n'est encore confirmé. Donc, j'espère que Richard Urbain va convaincre Ali Larivière, qui est peut-être le principal blocage de cette activité. Donc, quand je dis blocage, donc, il exige beaucoup plus de choses par rapport à Gazman Couleur. Donc, Gazman, lui, il n'a rien à perdre. S'il ne joue pas, donc s'il ne veut pas jouer, bon, il a à perdre. Donc, alors que Arlene n'a rien à perdre s'il ne joue pas. Donc, monsieur voulait gagner le plus possible dans Bazaar et monsieur tire un peu le son, tout ça qui passe dans Amazon avec la star pour économiquement ça rapporter et lui-même a la possibilité tout pour le créer un bagaille qui pourra le bagner nous qu'on exposé. Ça c'est l'activité, ça nous parlons d'activité qui arrive juste sous le mois d'août là. Donc nous ne pouvons pas vraiment un calendrier de formation musicale là, parce que bon hésitation encore par rapport à période estivale là qui pas annoncé trop bien avec question élection hein. Donc nous attendons toujours pour nous connaître comment ça va passer dans le pays. Donc nous avons une idée de qui j'ai ça cahier et nous même tout notre travail tout sur les 20 ans de Radio Vision 2000. Les 20 ans de Vision 2000 c'est pour le mois d'octobre, le 2 octobre. Donc, c'est élection faite pour le 9 août. Deuxième tour fait et. Deuxième tour fait qui est la fête. La fête 26 octobre. Donc, n'a pas de bonjour dans Casa. Donc, Vision 2000 va fêter ses 20 ans. C'est pour le 2 octobre à venir, mesdames et messieurs. La possibilité. Donc, c'est déjà confirmé avec classe. C'est confirmé dans le calendrier de classe pour que classe soit là. Et puis, Tropicana d'Haïti. Classe Tropique. Ça, c'est nous-mêmes qui décidons ça. En attendant. Mais c'est ce que c'est pour voir ça ici. Hein? Bah décider rien de politique, qu'est-ce qu'a invité du jour, ça va regarder, pas besoin de compte qu'est-ce qu'a invité du jour. Mais ouais, jazz qu'a pris dans balle fait vision 2000 là. Non. OK, donc de qu'on y va ça avec avec direction programmation, direction marketing, administration et la direction générale. Donc là on passe je parle l'année dernière, donc j'ai proposé tout le canal de nous ça débat. Donc, je pense que ça va nous horizon d'attente, ça va nous un petit crédit que nous avons d'ici classe tropicana programmée pour faire Vision 2000 là, pour faire belle. Et faire Vision 2000 là, à Nessa, là, on l'autre bagage, à partir peut-être du mois d'août, donc par le débat des jeux sur radio pour recommander qu'on a un rapport de proximité avec les auditeurs qui nous ont permis d'être là pendant ces 20 dernières années. Ça, c'est intéressant. Le temps est arrivé de vous offrir, vous qui nous supportez, les commanditaires, les auditeurs, de vous offrir quelque chose. Donc, à cette émission, on va quand même préparer certaines choses pour vous. Donc, on va vous offrir des cadeaux, on va voir dans quelle mesure on peut quand même vous faire. On va voir dans quelle mesure on peut vous apporter de la joie, puisque vous nous avez permis d'être là pendant 20 ans, Vision 2000. Surtout cette émission, Vision sous compas, c'est plus que 15 ans sur la radio, donc j'assure le relais, mais c'est grâce à vous. En gros, c'est ça pour l'émission ça. En tout cas, Napton, je pense que un pile monde après mobiliser. Pour fêter avec Radio Vision 2000. Et j'aimerais toujours dire, Vision 2000. Radio Vision 2000, c'est Radio Pour la Mer. Raconte une musique ça. Radio Pour la Mer, deux noms là. Je suis ici à Paris avec classe à Dockefell. Voici Petit d'ailleurs, un titre exécuté par Jean-Hérard Richard. Mais attention, la composition est de Nixon de Mésidor. Vous pouvez essayer, pas de problème. Lève vite. C'est la somme réalisée. Papa, c'est laissé marier. Chaque fois pour nous rencontrer, c'est nous cacher, c'est nous serrer. C'est toujours avec l'horloger. Savoir pour nous rencontrer, c'est nous cacher, c'est nous serrer. Oh, 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 oh. Parce que moi, c'est petit dehors. Petit dehors. Petit dehors. Petit dehors. Petit dehors. Petit dehors. Moi, dis hey.
pas vle moun kompran ma vie. Pas que m'a compte papa m'a gagné son chanté. Pas que m'a gagné, voyez bien, c'est tout toi, mais pas penser. Oh yeah, moi pas demandé pour m'exister. Papa m'a les supporté, mais madame m'a opposé. I know why. Pour qui ça? Radio Vision 2000, c'est Radio par la main. Vision sous compas, c'est pas dit qu'elle par rapport à ce qu'on vous offre ailleurs. Mais si c'est la musique ça joue, pour qui ça tout le monde dans sa line à midi. Yes, yes, yes. Yes, I. En formule. Samedi après-midi, oui. Où est-ce qu'on va aller dans les arts? Non, mais on va aller une midi, une heure, une bonne heure. Yeah. Bon, biba! Biba, biba! Le canon, c'est pour le 25 juillet! Ramada Hotel! Ah ouais, Bastien! Attention, attention, moi dis! Y'a des dragons, ouais! Charles de copain! Tacha! Dablou Koula Chauffeur Cha. Alors chauffeur Azen en tête Charlie. Patricia New York. Sous cette tête Cha, moi c'est chauffeur. Mes amis. Oi, 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 on va get this idée, oh là là. Sans malade, sans malade, sans malade. Ouais. Là le big boy là ça le finit. Et ça va y'a. Wow, chérie, tu me tues. Là le big boy là ça le finit. On sera là demain soir, 7h. Donc vous allez rattraper ce que vous avez perdu aujourd'hui. Bonsoir à tous, excellente soirée sur Vision 2000. Le journal dans un instant. À demain soir, 7h boule sur. Tous les soirs, 7h-8h, sur Vision 2000, Vision sur avec Radio.